Jésus, tout obstacle à ton travail, à ta bénédiction, soit rejeté maintenant. Et dans la baba baba chayama, les cobras sont gagnés, les bras sont dans la baba baba chayama, les gros sont dans la baba chayama, et dans la baba chayama, les kayama, les gros sont dans la baba baba chayama, et dans la baba chayama, amashia, les cobras sont gagnés, les bras sont dans la baba baba chayama, les casques.
Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un thème que je voudrais encore, avant qu'on ne passe à la prédication. Nous allons prier contre toute personne. Nous allons prier pour les personnes qui sont découragées en amour. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se détournent de vouloir encore croire à l'amour, de croire encore à l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'annonce ce soir que l'espoir fait vivre. Ce que tu as vécu avec l'autre n'était pas destiné à te faire du mal, mais c'était une leçon. Le seul problème, c'est que tu as demandé à Dieu de te faire passer en classe supérieure. Dieu t'a fait passer à un autre niveau, mais toi, tu n'as pas compris les preuves qui te permettent d'aller à l'autre niveau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu veux t'agripper sur cette position de quelqu'un qui t'a trompé, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a trahi. Et tu veux prendre ça aujourd'hui là comme une arme contre une nouvelle personne. Bien-aimé, si tu entends une voix qui te dit de ne plus faire confiance en amour, toi qui es une femme, toi qui es un homme, sache que cette voix qui t'empêche d'être encore heureuse ou de croire à l'amour, ou de croire à un homme, ou de croire à une femme, cette voix-là, c'est ton mari de lui, c'est ta femme de lui. Et ce soir, nous allons prier contre les femmes de lui, contre toute voix qui vient nous parler en disant que toutes les femmes sont pareilles. Bien, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Si tu as croisé une femme qui t'a donné la baisse, il y a ceux-là aussi qui vont te donner le pansement. Il y a ceux-là qui ont le comportement d'Esther. Il y a ceux-là qui ont le caractère de Anne. Et devant avoir pris en prions, prions, prions. Que toutes les personnes qui sont de courage en amour, que ça revienne maintenant. Que ça revienne maintenant. Que l'amour revienne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, 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 allez. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'amour est possible. L'amour est possible. Tu as été trahi, c'est vrai. Mais tout le monde ne peut pas te trahir. Toi seulement, l'Éternel te donnera à la dessus de ton cœur. À la dessus de ton cœur. Et ne te va pas à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parle, parle. Priez, 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 priez. Priez. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps pour toi qui me regarde ce soir. Tes problèmes sont déjà matures. Arrêtez de penser à vos problèmes. Laissez vos problèmes assumer leurs responsabilités. Laisse ton problème assumer la responsabilité. Ton problème me dit de te dire qu'il est déjà mature. C'est pourquoi ce soir, tu dis tout problème que j'ai dans ma vie, tout problème qui me dérange, le problème qui me dérange au niveau de mon ventre, qui me dérange au niveau de ma tête, qui me dérange au travail, qui me dérange dans ma maison, ce problème-là, je le prends, je le dépose au pied de Jésus-Christ. 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 Et là, ta voix commence à crier. Prie au nom de Jésus. Prions, prions, prions au nom de Jésus. Allez, 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 problème. Va-t'en. Tout problème qui dérange ma vie, qui dérange ma paix. Allez, au nom de Jésus, libérez-moi. Libérez, 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 libérez. Allez, problème du ventre, le ventre, les biomes, les kystes, tout problème de biome qui dérange la vie de quelqu'un, tu libères maintenant, tu libères maintenant, tu libères au nom de Jésus. Allez, allez.
pas à tout problème dans vos vies. Au port de mon frère, ma soeur, conserve ça. Pour la prière de ton miracle ce soir. Pour la prière de ton miracle ce soir. Reçois ton miracle. Ah, alléluia. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois le miracle. Le miracle de Dieu. Bien dans le Seigneur. Ne te contente pas seulement de suivre, mais contente de connaître toi. Dis Seigneur, je ne connais pas ce prophète. Je sais seulement que c'est un homme de Dieu. Père éternel, son calon spirituel, n'importe peu. Ce que je veux ce soir, c'est de connecter à la grâce qui est dans sa vie. Me connecter à ce que tu as positionné en lui. Parce que j'ai besoin de mon miracle. Ce soir, je crois à mon miracle. Prie l'éternel, prie l'éternel, prie l'éternel. Prions, 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 prions. Inutile de rêver,
tu as besoin de quelqu'un maintenant. Je prie dans le nom de Jésus que ton téléphone sonne, que quelqu'un t'appelle pour te dire, j'ai reçu, j'ai fait un songe, où tu me cherchais. Et il y a cette personne, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui t'a dit de venir vers moi. Aïe, ta voix, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, rends disponible quelqu'un pour moi. Humblement, s'il vous plaît, arrêtez d'être important dans la société, arrêtez d'être important dans vos familles, arrêtez d'être important dans votre travail, arrêtez d'être important dans votre belle famille, arrêtez d'être important partout où vous vous trouvez, mais soyez utile, soyez utile, soyez utile. Aujourd'hui, l'utile est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être important. Bien-aimé dans le Seigneur, si un jour tu m'appelles serviteur, je répondrai. Si un jour tu m'appelles pasteur, je répondrai. Si un jour tu m'appelles monsieur, je répondrai. Parce que ce n'est pas monsieur qui sera le dernier jour. Ce n'est pas monsieur qui sera enlevé. Mais c'est ce que j'aurai semé avec la grâce que Dieu m'a donnée qui sera enlevé. Et je prie dans le nom de Jésus que tu te connectes à ce qui est utile et non ce qui est important. Parce que ce qui est important ne dure pas. Ce qui est important est éphémère. Il y a des personnes qui ont été appelées ministres, aujourd'hui ne sont plus. Il y a des personnes qui ont été appelées directeurs, aujourd'hui ne sont plus. Il y a des personnes qui ont été appelées employés, aujourd'hui ne le sont plus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyons utiles. Ce que tu sais faire avec tes mains, fais-le. Ce que tu sais faire avec ta bouche, fais-le. Ce que tu sais faire avec tes pieds, fais-le. Oh, yababa, chine les mots, sayaba. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Même si tu connais le chemin que l'Éternel a tracé pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, sois toujours prudent. Même si tu connais le chemin qui te mène à ton domicile, sois prudent. Entre là où tu te trouves et ton domicile, tu ne connais pas les obstacles qui sont positionnés. Soyez prudent en toute chose. Sois prudent lorsqu'on te demande de signer un document. Sois prudent lorsque tu lis la Bible. Sois prudent lorsqu'on te prêche. Sois prudent lorsqu'on est annoncé une nouvelle. Sois prudent en toute chose. Soyez prudent. Soyez prudent. Soyez prudent. La prudence est un fruit de la capacité spirituelle. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je reçois la prudence. Recevez la prudence dans tous les domaines. Lorsqu'on te remet la monnaie, sois prudent. Il y a des billets qui sont, il y a des billets mystiques. Et ce soir, tout billet qu'on dépose dans ta vie soit détruit au nom de Dieu. Tout pouvoir de billets mystiques et qui vient dévorer les autres billets dans ta maison, dans ton compte, dans ta vie, vraiment soit détruit au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit avec toi. Que je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, donne cette révélation davantage. Donne l'avantage. Donne l'avantage, Seigneur. Donne l'avantage. Donne l'avantage, Seigneur, à tes enfants. Donne l'avantage 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 à tes enfants. D'être toujours la tête. D'être toujours la tête. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois béni, mon Père. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur béni, 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 oh, Seigneur béni, 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 Seigneur. Adonai, Adonai, Adonai.
La conversion source
source d'affermissement. Alléluia. Luc 22, verset 32. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, dis prophète, go, c'est go. Alléluia. Je veux voir ton live, je veux voir ton partage. Partage à plusieurs personnes. Cela sera utile. Lorsque ce direct te prendra fin, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras de quoi pouvoir tenir face à des difficultés, face à des obstacles, face à des épreuves qui vont t'arriver. Et tu vas savoir comment les surmonter parce que tu as eu le code de la révélation. Alléluia. Ne néglige pas ce terme, il est très important. Que tu sois catholique, que tu sois traditionnaliste, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, ce terme te concerne. Alléluia. Sois fort, l'Éternel parle encore et il te parlera. Et je bénis toutes les personnes, je bénis les hommes de Dieu qui sont connectés sur ce live. Je bénis un pasteur, je bénis un évangéliste, je bénis un prophète, je bénis un pape, je bénis tout le monde. Alléluia. Parce que la Bible me dit dans le livre de Romains chapitre 14 au verset 4. Écoute bien ce que la Bible dit. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 14 au verset 4. La Bible dit ceci. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur de Dieu? Alléluia. Qui es-tu? La parole ne parle pas aux autres. La parole parle à toi. Nous serons toujours jugés ceux-là qui sont dans certaines églises. Nous aimons juger ceux-là qui sont des traditionnalistes. Nous aimons juger les autres parce que nous avons accepté le Seigneur. Nous aimons juger ceux-là qui sont encore dans les bars. Nous aimons juger ceux-là qui sont encore dans les épreuves. Bien-aimés, au lieu de les juger, nous devions prier pour eux parce que nous avons déjà traversé. Et si tu estimes que tu as traversé, gloire à l'Éternel. Mais ce soir, la Bible te dit de ne pas juger quelqu'un. Et la seule personne, dans ce verset biblique, la Bible dit, la seule personne qui a le pouvoir de convertir quelqu'un, c'est l'Éternel. Alléluia. Cette personne n'est pas encore mature. La personne que tu cries tous les jours sur le vin n'a pas encore atteint sa dose. La personne que vous criez tout le temps là, ivrogne, n'a pas encore atteint sa dose. La personne que vous dites qu'il ne va jamais se convertir là, n'a pas encore croisé Jésus. Alléluia. La personne que vous voyez dans le midi n'a pas encore croisé. Il y a un jour où on croise. Il y a toujours un jour. Alléluia. Il y a un jour où on est. Il y a aussi un jour où on meurt. Mais il y a toujours un jour où on fait la rencontre. Alléluia. Donc toi qui as déjà fait cette rencontre, si vous estimez que vous avez déjà reçu, si vous estimez que vous êtes déjà affermi, gloire à l'Éternel. Mais ne jugez pas les autres. Alléluia. Ne jugeons pas aussi. Ne jugeons pas les églises, ne jugeons pas les hommes de Dieu, ne jugeons pas les églises des autres, ne jugeons pas les religions des autres. Alléluia, ne jugeons pas. Ce soir, je viens te décourager. Ce n'est pas ça mon thème, mais je viens décourager quelqu'un. Ce programme, nous allons le faire tous les jeudis. Alléluia, tous les jeudis. Sois connecté et sois câblé. Je suis le prophète Ferréol du ministère prophétique de la repentance. Alléluia. Nous répondons au 0, alléluia, oui, docteur Ducon, donne ton numéro, les auditeurs vont prendre ton contact. C'est quoi ton contact? 066. Prends le numéro, prends ce numéro-là, vous allez nous contacter à la fin, alléluia. Si vous avez des sujets de prière, vous avez des calls qui vous dérangent, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de problème, l'Éternel est au contrôle, alléluia. Pas de protocole, go c'est beau, alléluia. Nous ne sommes pas à la recherche de la masse, mais nous sommes là pour réveiller la grâce qui est enfouie à l'intérieur du raisonnement de certaines personnes. Alléluia. Alléluia. Je suis le prophète Ferréol du ministère prophétique de la repentance. Alléluia. Écrit en bas, ministère prophétique de la repentance. Et je reprends au 0. 66. Au 066 31 45 22. Alléluia. On va reprendre 066 31 45 22. Alléluia. Amen. Que Dieu commence déjà à vous bénir. Envoyez vos sujets de prière, envoyez vos préoccupations. Je vais me battre à vous répondre et vous serez servi. Que tu sois en Europe, en Ouganda, ce numéro-là à WhatsApp. Alléluia.
si tu n'es pas au Gabon, mets devant l'indicatif plus 241. Alléluia. 241, 66, 31, 45, 22. On va reprendre. Plus 241, 66, 31, 45, 22. Alléluia. Que Dieu commence déjà à vous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, prends ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 22, au verset 32. Le thème de ce soir, c'est la conversion sous l'affermissement. Alléluia. Oui. Je lis la parole dans le livre de Luc. Je lis la parole dans le livre de Luc 22, au verset 32. Mais j'ai prié pour toi. La Bible dit, c'est là, c'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci, mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi. Et toi. Quand tu seras converti. Quand tu seras converti. Affermis tes frères. Affermis tes frères. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, prophète, lance le code. Prophète, lance le code. Alléluia. Amen. Je veux voir en commentaire, prophète, lance le code. Parce que je vais lancer ce code-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous devons d'abord, il faut retenir ceci. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, lorsqu'on parle de conversion, la conversion ici, c'est la prise de conscience. Alléluia. Amen. La conversion ici, c'est la prise de conscience. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens ou nous ne pouvons pas dire qu'on a changé sans prendre conscience. On doit prendre conscience de l'ancien nous pour rentrer dans le nouveau nous. Mais cette étape-là est appelée conversion. Alléluia. Nous devons prendre conscience. Nous devions accepter la transformation. Ce soir, accepte la transformation, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas demeurer la même. Tu ne peux pas demeurer le même. Depuis que tu pries, tu jeûnes, les choses ne marchent pas, bien-aimé. La vérité ce soir, c'est parce que tu n'es pas converti. Beaucoup pensent que le fait d'être affermi est un signe de conversion. Avant d'être affermi, il faut d'abord être converti. Il y a une différence entre être affermi et être converti. C'est pourquoi beaucoup de personnes quittent les assemblées parce qu'ils estiment que depuis que je prie dans cette église, depuis que je jeûne dans cette église, depuis que je œuvre là, je ne reçois rien. C'est la même chose aussi en amour. J'investis. Mais tu investis pourquoi? Quelle est ta source de motivation à ton investissement? Tu investis dans quel but? Est-ce que tu as d'abord détaillé ton plan, ton programme? Tu veux suivre Jésus pourquoi? Pourquoi tu vas changer? Pourquoi tu veux changer? Alléluia. Voici le véritable problème. Est-ce que tu es fatigué du péché? Si oui, prends une décision. Parce que lorsque tu vas venir en Jésus, tu vas accepter l'état de la conversion. Et laissez-moi vous dire que la conversion de quelqu'un ne se fait pas en une journée. Ça ne se fait même pas en un an. Ça ne se fait pas en deux ans. Mais la conversion est un système progressif. C'est une vie. La conversion est une vie. À chaque étape de notre vie humaine, et à chaque étape, nous devions laisser quelque chose pour faire rentrer l'affermissement. Lorsqu'on te prêche sur la colère, après la colère viendra quoi? La rancune. Lorsque l'état de la colère te quitte, tu dois être affermi. Lorsque quelqu'un vient pour te provoquer, tu diras à cette personne, je ne peux te répondre, car l'Éternel m'a affermi et je suis affranchi. Alléluia. Donc la conversion est un système progressif. Alléluia. Amen. Quand on parle de conversion, on parle de prise de conscience. Il faut accepter.
accepter la transformation. Il faut accepter les conseils. Il faut accepter de se faire petit. Il faut accepter de retourner. Il faut accepter tout ce qu'on va te recommander de faire. Ne raisonne pas si tu veux réellement être converti. La conversion ne joue pas avec ça. La conversion est l'étape la plus dure de l'être humain parce qu'il vient modifier la vie naturelle pour t'emmener dans une vie d'observation et d'examination. Lorsque on reconnaît quelqu'un de converti, lorsqu'il examine sa vie, on reconnaît quelqu'un qui est converti lorsqu'à chaque étape de sa vie, lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a une situation, un comportement, une décision, il ne s'emballe pas, il examine. Ça montre que la personne a de la teneur. Alléluia. La conversion, c'est la transformation de l'ancien nous pour le nouveau nous. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des étapes que nous devons laisser. Il y a des codes que nous devons laisser. Nous devons laisser la colère. Nous devons laisser la rancune. Nous devons laisser le moi. Nous devons laisser l'orgueil. Nous devons laisser, j'ai une grande église. Nous devons laisser l'estime de soi. Nous devons laisser de nous agripper aux voitures. Nous devons laisser l'estime de nous agripper à notre âge. Il y a beaucoup d'éléments que nous devons laisser. Bien aimé, la Bible dit, nus nous sommes venus du sein de notre mère, du ventre de notre mère. Nous aussi nous repartirons vers l'éternel. Pourquoi s'attacher aux choses de ce monde? Mais pour réussir dans ce monde, nous avons besoin d'un nom. Et ce soir, c'est le nom de Jésus. Il est celui-là qui nous donnera ce qu'on appelle la foi déterminante. À cause de lui, je ne dois pas faillir. À cause de lui, je ne dois plus répondre n'importe comment. À cause de lui, je ne dois plus insulter. À cause de lui, je ne dois plus consommer les stupes. À cause de lui, je ne dois plus me prostituer. À cause de lui, il y a des comportements que je dois plus faire. À cause de lui, je dois apprendre à m'habiller. À cause de lui, je ne dois plus avoir un langage du monde. À cause de lui, je dois apprendre à m'investir. À cause de lui, je dois fournir des efforts. C'est pourquoi ce soir, nous avons besoin de la foi déterminante. Déterminante. Si tu n'as pas de foi déterminante, il sera difficile pour toi de reposer ta conversion. Alléluia. La conversion, on la repose sur Jésus-Christ. On repose notre conversion sur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous devons toujours nous mirer en lui. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. La Bible dit, je me tiens à la porte. Si je frappe, ouvre. Et ce soir, l'Éternel est à la porte de ta vie. Il toque à la porte de ta vie. Il te dit à toi qui me suis depuis le petit écran. Il te dit ce soir, abandonne le raisonnement. Abandonne cette décision d'aller chasser quelqu'un. Abandonne cette décision de répondre à quelqu'un. Abandonne cette décision de manquer le respect. Abandonne la décision de te masturber. Abandonne la décision de poursuivre quelqu'un en justice. Abandonne la décision de manquer de respect à son père. Abandonne la décision de divorcer. Le divorce n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est vrai, tu me diras certainement, mais prophète, lorsqu'on arrive à s'accorder, on doit faire quoi? Mais bien aimé dans le Seigneur, quelle était ta première phrase lorsque tu as connu cet homme? Quelle était ta première phrase lorsque tu as connu cette femme? Souviens-toi de la première phrase. Est-ce que lorsque tu as dit oui, est-ce que lorsque tu allais vers l'autre, c'était pour vous injurier à cause du temps? Est-ce que c'était pour vous manquer de respect? Si l'un de vous deux tombe ou échoue dans le couple, ça veut dire que c'est un autel qui s'est levé contre vous deux. Tu ne peux pas quitter l'autre parce que l'autre boit le vin. Tu ne peux pas quitter l'autre parce qu'il t'a trompé. Tu ne peux pas quitter quelqu'un parce qu'il t'a trompé. Non. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas compris la vie. Ne quitte pas quelqu'un parce qu'il t'a trompé. Au contraire,
tu dois fléchir tes pieds et poser la question à Dieu. Père, où étais-tu lorsque cela s'est passé? Père, pourquoi cette douleur dans mon cœur? Tu sais combien de fois je suis attaché à mon mari, combien de fois je suis attaché à ma femme. Mais ma femme m'a trompé, mon mari m'a trompé. Père, donne-moi la voix à suivre. Et il va te dire, ferme ta bouche, viens dans le secret et je te donnerai les codes pour sortir ta femme, ton mari de ce problème. Parce que c'est un envoûtement qu'il a possédé d'aller commettre cet impère. Bien-aimé, les liens héréditaires, les liens de famille existent de la même manière que les liens héréditaires existent de la même manière aussi. C'est là. Alléluia. Alléluia, tiens. Alléluia. Et ce soir, vous devriez beaucoup. Je veux beaucoup vous connecter à l'Éternel. Connectez-vous à l'Éternel. Connectez-vous à l'Éternel. Connectez-vous à l'Éternel. Arrêtez de quitter l'autre. Arrêtez de quitter l'autre parce que vous estimez que l'autre vous a trompé. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Bien-aimé, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne quittez pas ton partenaire parce qu'il t'a trompé. Ne quitte pas ton partenaire parce qu'il fume le champ. Ne quitte pas ton partenaire parce qu'il compte faire quelque chose là-bas. Au contraire, fléchis les pieds. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu est disponible. Une personne disposée ce soir. Conversion. La conversion. La conversion. La conversion. La conversion. Sois converti, mon frère. Sois converti, ma soeur. Quelqu'un de converti, c'est quelqu'un qui ne passe pas le temps en train de raisonner. C'est quelqu'un, lorsqu'on donne un travail spirituel, il obéit sans pourtant raisonner. Quelqu'un de converti, c'est quelqu'un qui accepte les reproches, qui accepte les remarques. Même s'il a raison, il travaille cette raison. La même manière, la même personne qui a dit que tu étais mauvais, tu étais une mauvaise personne, la même personne viendra dire, je demande la porte. Alléluia. C'est ça la conversion. Alléluia. Il faut exercer la conversion en se basant sur le code de Jésus-Christ. Et pour être converti, vous devez exercer la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un de converti, c'est quelqu'un qui se présente, qui présente ses péchés. C'est quelqu'un qui livre ses péchés. C'est quelqu'un qui livre ses péchés. Quelqu'un de converti livre ses péchés. Quelqu'un de converti livre ses péchés. Quelqu'un de converti livre ses péchés. Il livre ses péchés à qui? Il livre ses péchés. Alléluia. Terminez-moi la lecture. Sur Luc 22, verset 32. Alléluia. Il est écrit. Il est écrit. Seigneur, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, Pierre, je te le dis, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié trois fois de me connaître, que tu n'aies nié trois fois me connaître, me connaître. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es à côté des noms de Dieu que l'enfer n'est pas disponible pour toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas. Et je voudrais dire à toute personne, à tout parent, ami et connaissance, vous qui avez souvent jugé les hommes de Dieu parce qu'autour d'eux, ils ont des personnes que vous voyez au quartier qui font certaines choses. Non. Ne juge pas un homme de Dieu à cause des personnes autour. Jésus-Christ a dit à son disciple Pierre, il a dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et pourtant, Pierre marchait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il soupirait avec Jésus, mais il n'était pas converti. Mais l'Éternel dit, lorsque tu vas accepter la transformation
de ton caractère, la transformation de ton comportement, la transformation de tes idées, la transformation de ta manière de voir les choses, affermis les autres. Parce que tu ne peux pas affermir quelqu'un si toi-même tu n'es pas converti. Alléluia. Donc c'est pourquoi quelqu'un peut être à côté du chef et ne pas bénéficier des avantages du chef. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à côté du chef de l'État qu'il a les avantages du chef de l'État. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à côté fils du professeur qu'il aura déjà le devoir en avance. Non. Nous devons travailler cela. Et travailler, il faut accepter les reproches. Il faut accepter les remarques. Et Christ savait ce qui, il connaît qui est avec lui. Alléluia. Amen. Un père connaît toujours ses enfants. C'est pourquoi il a dit à Pierre, le coq ne chantera pas trois fois que tu n'es nié me connaître. Alléluia. Lorsque cette prophétie est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Pierre a pleuré. Les pleurs sont quoi? Sont des signes de repentance. Alléluia. Il a pleuré parce que la prophétie s'était accomplie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sage. Il ne s'est pas simplement limité à s'apitoyer sur son sort, mais il a continué à marcher avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Et le jour de la Pentecôte, la Bible déclare que Pierre était le défendeur de ses frères. Et c'est par lui que le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Alléluia. Alors lorsqu'on parle de la conversion source d'affermissement, c'est la conversion qui amène à l'affermissement. Et quand on parle de l'affermissement, c'est être ferme. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, demeure ferme. Si tu as accepté d'épouser une femme, sois ferme. Si tu as accepté ce travail, sois ferme. Si tu as accepté de garder un secret, sois ferme. Soyez ferme, soyez ferme. N'abandonnez pas vos pères spirituels, n'abandonnez pas vos parents à cause du miroitage des activités extérieures. Restez ferme dans vos positions. Reste ferme dans ton ADN. Reste ferme dans ton ADN. Reste ferme dans ton ADN. Et que Dieu vous bénisse. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie dans le nom de l'Éternel que la semaine prochaine, Seigneur, que tu puisses encore ouvrir ton entendement dans les lieux, dans la vie de quelqu'un au nom de l'Éternel. Père éternel, avant que je ne coupe cette prédication, Seigneur, je voudrais donner à quelqu'un ici, là, le code de la conversion. Alléluia. Le code de la conversion est égal. Repentance plus obéissance sur la foi est égal à la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Le code de la conversion est égal à repentance plus obéissance sur la foi est égal victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous suivent. Partagez au maximum à plusieurs de vos frères et que Dieu vous bénisse davantage, qu'il bénisse les hommes de Dieu, qu'il bénisse ce passage. Nous allons continuer de faire. Bien-aimés, acceptons le parcours pour devenir grand demain selon que Dieu l'a disposé. Je vous aime, je vous remercie. Shalom.